Bonjour. Ceci est le troisième épisode de la série de vidéos sur l'histoire de la France pendant l'époque victorienne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la flamme de la Révolution ne s'est jamais vraiment éteinte dans le cœur des Français. Il suffirait d'une simple étincelle pour remettre le feu aux poudres de la monarchie. Ce qui inspirera d'ailleurs cette chanson très connue, Allumez le feu. La France a également fait ses premières avancées technologiques servant à la colonisation de l'Afrique avec la quinine. Enfin, nous avons pu détailler le premier conflit franco-britannique de l'époque victorienne avec une victoire écrasante des Français, lui donnant le port de traité au sud de Londres, le territoire de Portsmouth, ou nouvellement renommé, les ports bouches. Parce qu'il fallait bien montrer que ce territoire était français, et d'ailleurs, ils y roulaient à droite. Les Français pensaient les Anglais affaiblis, et incapable de revenir les embêter avant un bon moment, mais l'histoire nous démontra le contraire. Dans cet épisode, nous verrons comment un deuxième conflit entre les deux premières grandes puissances éclatera, nous verrons également comment la France essaiera de changer de doctrine pour la liberté, l'égalité, la fraternité, même si en réalité ce n'était que pour transmettre plus de pouvoir aux riches au détriment de la monarchie, tout en faisant croire que c'était une idée du peuple pour le peuple. Ne pas lire la dernière phrase. Ah mince. En parlant d'argent, la France est riche. Chaque semaine, c'est un excédent de 105 000 pounds qui est généré. De l'argent non dépensé et de l'argent gaspillé, ainsi le gouvernement décide d'augmenter les salaires militaires et les salaires gouvernementaux. Ces deux corps de métier dans lesquels la majorité du gouvernement travaillait, évidemment. Ne pas lire la dernière phrase. Ouais, mais il faut l'écrire avant la phrase, ça aussi. Le peuple et principalement les syndicats de travailleurs souhaitent promulguer le suffrage universel au détriment du vote des riches. Et avec l'annonce de l'augmentation des salaires gouvernementaux, la pression est telle que la proposition de loi sera faite le 21 août 1849. Le but est de changer les idées du peuple en leur offrant un cadeau. Ça avait très bien marché pour la loi Joyeux Noël. Il n'y a aucune raison que cela ne refonctionne pas de nouveau. La proposition de loi sera acceptée le 19 février 1850. Cette fois, les riches auront fait un faux pas et perdront une partie de leurs avantages. Ainsi, sous l'impulsion de Denis Gardant, le groupe d'intérêt des industriels a ouvert la voie à une ère politique libérale qui laisse présager une société plus libre, dans laquelle tous les citoyens participent au processus politique. Mais comme partout, le changement fait peur, il est demandé à ce qu'une personnalité connue du grand public calme ses idéologies avant qu'elles ne deviennent trop radicales. L'homme choisi sera Louis-Napoléon Bonaparte, du parti militaire, connu pour son idéologie de réformateur modéré. La politique c'est bien, mais la conquête de l'Afrique c'est mieux. Le roi, toujours en place, reprend la fantochisation de cette dernière, et commence par la Sierra Leone. C'est en mars 1851 qu'un courrier est envoyé à ce pays, leur intimant de se soumettre. Encore une fois, la surprise viendra des Anglais. Ils rejoignent de nouveau la Sierra Leone pour les aider. La Grande-Bretagne vient en effet de perdre son statut de première puissance mondiale au profit de la France. La France qui a un prestige et un PIB plus grand que celui de la Grande-Bretagne. Le niveau de vie français est également proche de celui des Anglais. À force de leur taper dessus, ils vivent un peu moins bien. Et pour ne pas perdre la face, ils essaient de la reprendre par la guerre. Et après, on dit que c'est les Français les belliqueux. Le conflit débutera le 4 juillet 1851. Cette fois, la France est prête et ses troupes sont déjà aux portes de Londres. Les armées françaises gagnent partout, sauf en Angleterre. Les Français n'ont pas l'habitude de la météo et suite à une bévue, les armées sont mises en déroute et retraversent la Manche. La surprise fut totale quand le roi vit ses généraux revenir la queue entre les jambes. Vous allez y retourner et plus vite que ça, sinon c'est moi qui vais vous bouffer, intima le roi. Un débarquement est organisé à Port-Bouche. Les Français savent comment faire. Les Français, sous les ordres du général Hugo Baragoué, se souviennent de la stratégie précédemment employée, et le succès fut total. Une fois de plus, l'armée française roule sur l'armée anglaise, et c'est finalement lors de l'appel du 18 juin 1853, après plus de 2 ans de guerre, que les Anglais se rendront. Ils concèdent la libération du pays de Galles, de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie du Sud, et des réparations de guerre. Une grande victoire à la guerre qui ouvre une autre grande bataille en France, celle de la République présidentielle. Elle voit s'opposer deux groupes,
Le premier est composé de l'élite intellectuelle et des syndicats de travailleurs, et un deuxième, celui de la petite bourgeoisie, des propriétaires terriens et de l'Église catholique. La loi sera proposée mais avortée rapidement le 14 juin 1854 sous la menace de révolution des riches et de l'Église. Les années qui suivirent vinrent le soulèvement autochtone de différents peuples d'Afrique, tels le Keladag et Dinka, forçant la France à intervenir militairement et conquérir l'entièreté des territoires se soulevant. La France prendra aussi quelques territoires au Baloutchistan. En effet, l'approvisionnement en opium indien est difficile en vue des relations avec les Britanniques, et un territoire à cet endroit permet de produire et d'approvisionner le pays en opium. En 1858, c'est la technologie de prévention du paludisme qui est trouvée. La France peut maintenant coloniser toute l'Afrique en réduisant les effets de la maladie. Cela fait de la France un concurrent sérieux pour le contrôle colonial du continent, mais ce n'est qu'un début, la France voulant créer une carte toute bleue, et les règles françaises en Afrique. D'ailleurs, le roi ordonne l'assujettissement de différentes factions en Afrique de l'Ouest, avec la Liberia, le Fouta Djallon, le Fouta Toro. Jamais 203, ces derniers seront rejoints et aidés par les Anglais, mais nous verrons cela dans le prochain épisode. Nous verrons également comment la Grande-Bretagne deviendra la Petite-Bretagne, avec la perte de plusieurs de leurs territoires. Nous verrons comment les États-Unis d'Amérique se firent assister par la France contre le soulèvement capitaliste américain lors d'une guerre de sécession, puis comment la censure de la monarchie fut abolie. Et pour finir, la domination de la France dans l'Afrique de l'Ouest. J'espère que cette instruction vous aura plu. Nous nous retrouvons vendredi prochain, 15h, pour le prochain épisode.